que la JTF, c'est comme la bouffe, l'eau potable et les sites propres. On n'en a jamais assez. Et vu que la nature a horreur... On a localisé le QG des nettoyeurs. Ils utilisent un chantier comme base d'opération et comme dépôt de ravitaillement. C'est dur de rester discret quand on cuisine du napalm pour foutre le feu à Canarsy. Ce que le capitaine Benitez veut dire, c'est que leur principale infrastructure de production de napalm B est aussi là-bas. Sans elle, les nettoyeurs devraient être beaucoup plus faciles à gérer. Sauf que vous pouvez pas juste aller les voir et leur demander d'arrêter. Leur chef, un certain Joe Ferro, a affecté la moitié de leurs effectifs à la protection de la base. Pour faire le boulot proprement, faut d'abord les éliminer. En plus, quand vous écoutez ce que disent leurs camions à haut-parleur, attention, vous quittez la zone de sûreté. Vous faites du bon travail, vous. Heureusement qu'il reste des gens comme vous. Vous êtes proche d'un écho lisible. Agent, écoutez. On n'a pas les ressources suffisantes pour éteindre tous les incendies déclenchés par les nettoyeurs. Si on ne trouve pas le moyen de couper leur production de napalm, le quartier tout entier risque de partir en flammes. Le point positif, c'est que leur principal site de production est au beau milieu de leur QG. Vous aviez envie d'y aller, non? Trouvez le site de production, détruisez-le et assurez-vous qu'ils ne puissent pas le reconstruire. En clair, vous éliminez le chef, Joe Ferro. Parce que s'ils s'enfuient, recommencera tout ça autre part. L'immeuble doit être rempli de réservoirs d'essence et de napalm. Détruisez tous ceux que vous trouverez. L'objectif, c'est que les nettoyeurs ne puissent pas réutiliser le matériel. On sait tous de quoi ils sont capables. Turner, Burnett, vous et vos gars, vous montez la garde sur l'ensemble du périmètre. Ça sent pas bon tout ça.
dans ta salle.
Attention, signature chimique de produit explosif détectée. Source identifiée. Alerte, explosif armé, prêt pour détonation. Vous savez pourquoi on est là et pourquoi c'est important? Vous savez ce qui va arriver si on brûle pas cette saloperie? Il y a trop de gens qui comptent sur nous, nos familles, nos amis et la population tout entière. C'est pour ça qu'on doit tenir, face à ceux qui nous barrent la route. Ils n'en ont rien à foutre s'ils disent qu'ils sont du gouvernement. Tout ça, c'est des conneries. Si on les arrête, on peut encore sauver cette ville et le reste du monde. Mais si on les perd, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Tout ça, c'est hors de question. On a vu l'explosion jusqu'ici. Il doit y avoir d'autres réservoirs de napalm dans l'immeuble. Trouvez-les, détruisez-les, et vous pourrez aller vous occuper de Ferro. Enfin un moyen de se débarrasser de ce putain de pollution. Reste concentré sur ce que vous faites. Ça n'a pas intérêt à ce que ça t'explose.
moi, écoutez-moi bien. Voilà ce qu'on va faire. On se replie. Vous me retrouvez tous à la tour et on les retient là-bas. Compris? C'est là-bas qu'on les attend et on va leur faire regretter de nous avoir cherchés. Indique que cette zone est sûre. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. Vous attendez quoi, bordel? Allez-y! Restez à couvert.
Prêt. Encore une petite seconde. On devrait déjà y être. Pourquoi t'es si loin? Désolé, c'était les sangles du réservoir. Ça devrait être bon, là. Putain, c'est pas trop tôt. Attention, séquence de détonation lancée. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Quelqu'un aurait dû dire à Ferro que c'était mauvais pour sa santé et toutes ces flammes. Maintenant qu'il est hors jeu et que la principale source de napalm des nettoyeurs est détruite, ils vont nous poser beaucoup moins de problèmes. Pas mal de gens vous doivent la vie, qu'ils le sachent ou pas. Au travail. Heureusement que vous avez eu Star et Ferro. On va publier une vidéo qu'on a trouvée et qui prouve leur culpabilité, à lui et à toute sa clique. Quand je l'ai vu, ça m'a rendu malade. Merci pour votre compassion.